Bienvenue. Nous sommes le vendredi 21 mai pour le mois numéro 223. Ok, aujourd'hui ça va être un sprint, même s'il y a beaucoup de tours, c'est avec 5 tours de 200 mètres de run, d'accord, moins d'une minute pour la course. 20 overhead lunges, d'accord, et ensuite 20 barbell row. Ok, ceux qui ont une barre de traction chez eux pourraient remplacer par des tractions, mais bon, nous on n'a pas de barre à l'extérieur, donc barbell row. Ok, pour commencer, on va faire la matrix de fente, vous avez l'habitude maintenant. On fera une fois sans overhead et une deuxième fois en overhead. Donc je prends la position de fente et je vais faire une fente vers l'avant. Okay. Ensuite une fente diagonale haut, une fente latérale, une fente diagonale basse et une fente vers l'arrière. Donc on sait très bien que la diagonale basse c'est un peu difficile pour les gens, mais c'est vraiment de faire, si vous avez un carreau comme nous, là, vous mettez au centre du carreau et vous visez à chaque fois. Très bien, une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose en overhead. Vous allez faire 3 répétitions à chaque fois, donc prendre la fente vers l'avant, c'est 3 répétitions à l'avant. Okay, une fois que vous avez fait vos 3 reps, vous restez 5 secondes en isoro. Prenez un bâton, un élastique, ce que vous voulez, vous tenez 5 secondes. Et après, vous refaites l'axe d'après, donc diagonale haute, 3 reps, isoro, etc., etc., etc. Ça sera votre échauffement mobilité pour aujourd'hui, c'est les deux cumulés. C'est votre échauffement. Exactement. Donc faites-le sérieusement. Ok, donc ensuite on y va, méthode, 5 tours de 200 mètres de run. Comme j'ai dit au tout départ, 200 mètres de run c'est moins d'une minute. Si vous savez que la course c'est pas votre point fort, vous courez maximum une minute. Ensuite, overhead lunges, je mets mon bâton au-dessus de la tête, je pousse et je maintiens la poussée, je contracte mes abdos et je fais une fente vers l'avant. Et je reviens. Pas plus compliqué que ça, c'est 20 fentes au total, 10 droite, 10 gauche. Mais on maintient bien la poussée et la charge doit être légère. Vous devez être quasiment aussi rapide au poids de corps que avec votre barre en overhead. Je dis quasiment, on est d'accord, hein. Il faut quand même stabiliser, il y a plus de travail, mais c'est normal. Ensuite, deuxième mouvement, barbell row. Aujourd'hui, ça sera en pronation. On se met en position de good morning, on déverrouille les genoux, et là, je tire en dessous du nombril. Je serre mes omoplates et je tire en deuxième. Vraiment, on active ici fortement avant de tirer sur les bras. Vous devez sentir les dorsaux travailler. Ok, le cap time est de 15 minutes. Ce qui laisse un petit peu plus que 2 minutes par tour. Il faut vraiment y aller, sinon ça ne rentrera pas. Course, sprint. Très bien, une fois que vous avez fait ça, vous soufflez 2 minutes et il y a un petit renfort en dessous qui vous attend. Regardez bien la description. Et on termine après par le stretch, évidemment. Fessier. Là, les lattes. On en a eu besoin. Voilà, et évidemment les avant-bras. Là aussi, ça va faire pas mal. Le renfort vous expliquera aussi pourquoi. Voilà, exactement. Ok. On est bon pour aujourd'hui, on espère que vous passez un très bon vendredi, nous en tout cas c'est le cas, on vous dit à demain samedi. Bonne journée. Bonne journée. Bon.